Yo. Le 25 mars au soir, je n'oublierai jamais cette nuit. Ce fameux train de minuit et demi qui fut le tournant de ma vie. Je sors de la gauve, le train arrive, check les frères de Spi. Je suis sur pied, le train s'arrête, les portes s'ouvrent. Je me retrouve sur la route de vieux ennuis. Mon passé me rattrape et il est tenace quand il me saisit. Le gars me fait, il faut qu'on cause, alors tranquille, je le suis. Je me dis que s'il faut qu'on se tape, ça peut gérer aussi. J'avais pas prévu, j'étais pas regardant. Alors que c'était un guet-apens, j'étais trop confiant. Cette fameuse nuit, j'ai vécu l'enfer de moi si abouti. Sous la rafale de coups et de coups de couteau que je subis. Le premier touche le flanc, le second est censé m'ôter la vie. Le cœur est touché, le chemin s'illumine petit à petit. Mes forces vides, je tribue, je reçois quelques baignes. J'essaye de riposter, mais mon élan est stoppé. J'ai le souffle coupé, mes assaillants peuvent en profiter. Mes bras ne répondent plus, alors je reçois un dernier coup de pied. En pleine tête, celui-là finira par me coucher. Terminus, c'est là que je descends du train, je me fais éjecter. Sur le quai, je m'accroche à la première personne que je vois. C'était un gilet vert, paniqué par tout le sang que je perds. Appelez le SAMU, c'est cri de guichet lorsqu'il me voit à terre. On conduira inconscient aux urgences de Plessis. La vie est un rien de vibrer, devenu ma priorité. On n'en a qu'une, autant la préserver. Suffit de voir comme le sort s'est acharné sur les zones. J'en ai vu tout plat. Vivre ce pas pour changer la donne. Elle paraît bien souvent compliquée. Suffit pas grand chose pour tomber. Ouvrir la porte de se renouveler. Alléluia. C'est un cœur qui vibre, un corps qui gît. Putain, je suis encore en vie. Dieu merci, j'ai eu la chance que d'autres n'ont pas eu. Le doc m'a dit que c'est un miracle d'avoir survécu. Un centimètre plus à gauche à la mort que je serais descendu. À ces paroles, j'ai bien compris que j'avais eu chaud au cul. Ça fait un mois que je suis rentré, je trouve toujours pas d'issue. En plus au tiède son, l'ambiance est toujours tendue. Des potes passent me voir et me donnent des nouvelles en exclu. Nourrice et fait tes plans, y'a des descentes à tous les coins de rue. De mon côté les frères, je meurs mais difficilement. Physiquement ça va, mais dans ma tête ça tourne à 400. Mes proches me raisonnent, me disent qu'il y a cette peine et de sang. Il y a un père et une mère et ça c'est dans les deux camps. La peur opère dans les deux sens, mais je veux que la mienne décampe. Ma mère fait obstacle à ma haine, mais c'est elle qui plante le décor. En plus à l'époque, je me souciais peu de mon sort. Y retourner encore plus fort, ça ne répare pas les torts. Mais au fond de moi, je suis déter pour chacune des corps. Parce que ma vengeance ne laisse pas de place au remords. Je remets tout en question nos buts et nos existences. J'en perds la raison, mais c'est le fruit, il mène des conséquences. Reprendre le pas sur la rue, ça demande de l'exigence. Tout oublier et saisir sa seconde chance. La vie est un vibré devenu ma priorité. On n'en a qu'une, autant la préserver. Suffit de voir comme le sort s'est acharné sur les zones. J'en ai vu tout plaqué. Vivre et se battre pour changer la donne. Elle paraît bien souvent compliquée. Suffit pas grand chose pour tomber. Ouvrir la porte de se la vie nous tient mort. Rien de vibrer devenu ma priorité. On en a qu'une, autant la préserver. Suffit de voir comme le sort s'est acharné sur les zones. J'en ai vu tout plaqué. Vivre et se battre pour changer la donne. Elle paraît bien souvent compliquée. Suffit pas grand chose pour tomber. Ouvrir la porte de se renouveler. Je te plains, tu sais. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Crois pas ça. C'est bien au contraire. J'ai de la chance parce que tout ça, c'est faux. C'était en train de me bouffer et ça allait me tuer.